Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, la dernière fois, on m'a dit en commentaire, Arcane, est-ce que tu peux attaquer sans booster? Ben, regardez, je vous écoute, je vais attaquer non boosté, je vais attaquer en tant que médecin, bien sûr, et on va y aller de spa, on va se faire quelques petites gardes noires pour vous faire plaisir, une petite vidéo gameplay, comme ça, parce que je sais que vous aimez ça. Voilà, et je fais un petit peu ce que vous kiffez, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Même si je fais un peu ce que je veux, c'est un peu pour vous que je le fais. Alors, allez, on va se trouver des petites gardes noires, là. Putain, je vais pas en avoir une seule. Ah, quand même. Deux fois renserré. Putain, c'est dommage. Je vais vous montrer deux fois la même, ça, c'est con. En plus de ça, je l'aime bien, celle-là. Alors, je retiens jamais les noms, mais j'aime beaucoup celle-là. Donc, moi, ça devient un automatisme, hein, maintenant. Je sais que je lâche deux barrages au niveau des super canons. Quand il y a beaucoup de bâtiments... défensif comme ça sur une base, en général ils sont pas très haut level et encore heureux parce que sinon on commencerait à serrer les fesses très rapidement. On se croirait dans une opération après de task force, mais voilà, faut savoir que c'est bon. Là je le fais un petit peu à l'arrache, hein. Il me reste encore 66 points de canonnière pour vous montrer que c'est plutôt facile en tant que médecin. Je l'ai dit déjà dans des précédentes vidéos, mais voilà, je vous le prouve. C'est l'occasion de vous le prouver comme quoi, en tant que médecin, quand on se lève le matin, on n'a pas envie de booster rien du tout. On a envie de faire ça à la bonne franquette. Eh bien, regardez, ça peut se faire. J'ai encore 70 points de canonnière. Je ne suis pas boosté. Voilà. Et on vient se terminer. Ces petits mortiers qui étaient derrière le QG. Ils nous souriaient un petit peu, ils étaient en train de se foutre de notre gueule. Je suis allé les punir, tout simplement. Voilà. Un petit jet d'artillerie. Et c'est terminé pour eux. On va passer à la seconde. On va faire enserrer un peu plus tard, parce que si je vous fais deux fois la même d'un coup, c'est pas top top. Oh putain, mais trois fois renserré, c'est une blague. Je suis désolé, ça m'a émotionné. Trois fois renserré. Ah, qu'est-ce qui arrive là? Voie de sortie et martelé. Voilà. Voilà, ça me rassure. Déjà, je vais vous faire des... Ouf. Ah oui, oui, oui. Eh bien, on va se la faire. Hein. On va se la faire dans tous les cas. Je vérifie juste le niveau des bâtiments. Hop. Et on va y aller en avant de Guingamp. C'est parti. Donc là... je choisis d'utiliser deux barrages parce que je pars du principe que le barrage d'en bas va toucher un petit peu l'électrobombe qui est en haut, et le barrage de l'électrobombe va toucher un petit peu le super canon plutôt. Je vais y arriver. Et donc je me dis qu'en utilisant deux barrages, j'économise peut-être un tiers d'artillerie, et c'est déjà très important. Alors derrière, moi ce que je veux, c'est juste éliminer ce super canon. Voilà, c'est fait. Derrière, je vais pouvoir passer assez tranquillement. La seule chose qui va me faire peur encore, enfin qui peut être potentiellement dangereux, c'est ce super canon, ce canon plutôt. Je vais y arriver, j'y arrive pas, c'est impossible. Mais je sais qu'il me reste énormément de points de canonnière encore, et ça va passer tranquillement. Je l'espère du moins. Après, il est possible que je perde... je sais pas moi, un petit médecin, quelque chose, une erreur de placement, une erreur de gameplay, où je me suis vautré comme une merde. Il est fort possible, mais voilà, il faut savoir que c'est largement faisable en tant que médecin. Vous n'avez pas besoin d'être full boost ou de vous prendre la tête pendant deux heures à savoir par où vous allez attaquer ou comment vous allez attaquer. C'est à la bonne franquette en tant que médecin. Et voilà, encore une fois, sans perte, il me reste encore... quelques points d'artillerie, enfin quelques points de canonnière. Je les utilise en lâchant mes artilleries sur le QG. Et ma foi, ça passe crème. Allez, on y va, c'est parti. Donc là, je le fais pour vous, mais en général, ce que je fais, c'est que je booste un petit peu. Et j'en profite pour raser ma map le matin, bien sûr. Et après, je booste aussi, enfin pas après, mais avant, je booste aussi ma statue de chance de pierre de puissance, ce qui me permet de collecter un petit peu plus de pierres. Mais là, je voulais vraiment vous montrer une vidéo sans boost, vraiment des attaques sans boost, pour vous montrer que c'est faisable de détruire les gardes noirs sans se prendre la tête. Après, on va dire que c'est un petit peu plus compliqué pour les mercenaires. Surtout quand vous tombez sur des niveaux 61, 62, qui ont d'ailleurs largement maxé depuis longtemps les trois quarts de leur bâtiment défensif. Donc là, ça devient compliqué. Mais rien n'est infaisable.
Après, il faut avoir un petit peu de chance. Il faut que le mec soit un petit peu débile et qu'il ait placé ses bâtiments défensifs un petit peu n'importe comment. Ou alors, il faut qu'il ait pas de statut bleu. Ça permet déjà de nettoyer pas mal la map. Quand on est en... quand on est contre mercenaires, quoi. Mais bon, après... Hop, hop, hop. Je vais lâcher deux trucs. Parce que là, mine de rien, avec toutes les mines, bah, ça peut faire super mal. Enfin, j'ai toujours perdu personne. Hop, on va se replacer un petit peu, histoire de... d'arrêter de se faire tirer dessus par les tours de sniper. Et là, ce que je vérifie, c'est que les tours de sniper ne touchent pas mes infirmiers. Parce que s'ils touchent mes infirmiers, hop, je les mets sous fumigène directement. Ce serait bête de perdre des fumigènes bêtement. Ce serait bête de perdre des fumigènes bêtement. Oui, tout à fait. Hop, allez, on y va. Pas de renseignements encore, hein, je crois. C'est dommage. Alors... Hop, ah ben ça va, j'en ai encore. C'est cool ça. Foc et stupeur, on est parti. Allez, qu'est-ce qu'on va nettoyer ici? Donc les lance-roquettes sont niveau 7, donc ils servent strictement à rien. J'en ai pas peur du tout. Eh ben on va bien nettoyer. Je la fais très rarement celle-là, j'ai dû la faire 2-3 fois je crois. Comme quoi, tout arrive. Allez, deux barrages histoire de nettoyer tout ça. Il faut me virer tous ces bâtiments qui me font peur un peu. Hop. Les canons, les tours de sniper un petit peu aussi. Allez, on va mettre juste un fumier ici pour que les lance-roquettes arrêtent de m'emmerder. Voilà, un petit freeze histoire de se placer sur la map tranquillement. Derrière, on va lâcher des artilleries pour nettoyer ceux que j'ai à nettoyer, hein, voilà. Tout simplement. Allez, on continue les amis. C'est vrai que quand on n'est pas boosté, c'est un petit peu plus long. On prend de suite un petit peu plus de dégâts, mais vous le voyez comme moi, c'est largement faisable, là, je le répète encore une fois, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je suis en train de faire. Bien sûr, j'en vois déjà qui vont me dire « Ah non mais attends, je suis conscient que mes tanks sont niveau 15 et que mes infirmiers sont niveau 7, mais voilà, dans l'absolu... Je peux pas les enlever non plus, quoi. Je peux pas les remettre niveau 7 pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça peut donner. » Bon, je les mérite ces tanks niveau 15 parce que j'en ai chié pour les farmer et pour les up. Enfin, pour les up, fais pas de liaison, c'est un mot anglais. Hop, allez, on lâche tout et c'est terminé. Encore une fois, sans perte, foc et stupeur en tant que médecin. C'est agréable d'attaquer en tant que médecin, c'est vraiment agréable. Ah, le premier renseignement, on y est, c'est la récompense de mon dur labeur. Et on va terminer par verrouillage, voilà, comme ça je vous ferai pas deux fois la même, c'est plutôt cool. J'aime bien celle-là, je l'ai souvent, je l'aime bien, elle est pas très compliquée. Hop, on va lâcher deux barrages ici, en attendant, hop, on se met avec mes petits tanks sur le côté. Et voilà. Ah, alors d'habitude ça suffit, j'ai dû cliquer un peu trop en bas avec mon barrage. Petit rototo, excusez-moi. Voilà, ça c'est parfait, on va venir se placer un peu en haut, hop, voilà, avec deux fumis, histoire d'être tranquille. Un petit freeze pour la route. Et c'est parti. Allez. Ça fait pas beaucoup de dégâts là, va falloir commencer à nettoyer ça. Allez, détruisez-moi ces tours de sniper qui sont, mine de rien, maxés. Ah, je me suis fait avoir, elle a mouru avant que je la freeze. C'est pas du tout français, on s'en fout. Hop, allez, et là je lâche les barrages, je lâche les artilleries, je lâche tout, j'en ai rien à foutre. Et voilà, les gardes noirs, les amis, sans boost, vous me l'avez demandé, vous me l'avez suggéré aussi dans les commentaires. Je l'ai fait. Bon, les amis, allez, je vous abandonne ici. Snapchat, Facebook et Twitter, c'est les réseaux où vous pouvez me suivre et aussi vous abonner sur cette chaîne YouTube. Salut les amis, ciao!